Restons à Rabat, où la commission spéciale sur le modèle de développement a tenu aujourd'hui une réunion avec les représentants du Haut Commissariat au Plan. Les séances d'écoute des représentants des partis politiques, des syndicats, du secteur privé et des associations se poursuivent donc. Le HCP, qui a été représenté par le Haut Commissaire au Plan, Ahmed El-Halimi Alami, et par son secrétaire général, Ayesh Khalaf, a appelé à l'élaboration d'un modèle de développement qui prend en compte les nouvelles évolutions intervenues sur les scènes nationales et internationales et des perspectives d'avenir de la Commission. Notez que la CSMD mettra en place une plateforme digitale pour recevoir et collecter aussi les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d'enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions. Toujours concernant la réunion d'aujourd'hui, écoutons Ahmed El-Halimi Alami, haut commissaire au plan. Compte tenu des évolutions économiques, social et culturel du Maroc dans le futur et compte tenu de l'évolution du climat, des affaires et de la technologie internationale, bien qu'il soit le fruit d'un passé antérieur, nous ne pouvons qu'affirmer que ce nouveau modèle de développement a l'aptitude de s'adapter avec les données et situations actuelles et de les influencer, que ce soit au niveau local ou international.